Et nous voici à Rancaillou, direction le Fénadou. Donc pensez à bien tourner à droite les amis. Allez. Direction le Fénadou, où vont se séparer donc les deux parcours. Vous allez tourner à gauche pour le 22 et à droite pour le 53. Allez, à bientôt les amis. Et nous voici avec Marc les amis, en direction du Fénadou, avec un super coucher de soleil face à nous. On profite de la fraîcheur parce que cet été il fait vraiment très très chaud là début août. Jour à laquelle nous sommes en train de filmer le parcours. Donc on profite. J'espère que vous aurez le même temps début juin. Vous allez vous régaler, surtout avec les genêts en fleurs. Regardez un petit peu la vallée de Montposa. Contemplez le décor. Et nous voici au milieu de notre monde les amis. Au milieu de la Pampa, il y a un petit peu Marc qui monte et qui s'envole vers le Fénadou. Voir un petit peu le paysage dans la vallée. La route qui est face à nous vous monte au Mont Gerbier des Joncs, la source de la Loire, après avoir franchi donc le village de Montposa qui est de l'autre côté du volcan de la Gravenne. Et nous voici avec les amis au milieu déjeuner, le domaine à l'allure. Marc très affûté le suit de près. Et quant à moi, bah, je tire la langue. Allez, on se retrouve un peu plus haut les amis. Et nous voici sur le 22 km. Arrivé au Fénadou, pensez à bien tourner sur votre gauche. Direction le Grand Chêne, la Croix de Brige. Puis après vous allez rejoindre le village de Tueil pour la deuxième partie de parcours, version 2015. Et première partie les amis, très roulante dans la descente. Profitez-en pour regarder un petit peu la vallée. Décor somptueux. Regardez un petit peu ce qui vous attend. Faites attention aux appuis. Dans la deuxième partie, c'est un petit peu plus technique, avec un peu plus de pierres à franchir, avec pas mal de relances. Donc faites-vous plaisir et mettez les watts. Et portion beaucoup plus sympa au milieu déjeuner. Par temps clair, on devine le Ventoux tout au fond de l'écran, sur votre gauche. Magnifique coucher de soleil ce soir. On en profite. Et dans la descente, les amis, méfiez-vous. Grosse marche dans les rochers. Et juste derrière, encore une petite. Donc attention, petit passage technique. Et nous voici avec Jean-Luc qui arrive au Grand Chêne. Alors Jean-Luc, l'année dernière, on prenait sur la droite, direction le hameau de Gaucheran. Mais la version 2015, je crois qu'il y a quelques modifications. Oui, alors en 2015, eh bien, au lieu d'aller sur le hameau de Gaucheran, on ira complètement tout droit, directement à la Croix de Brige. On va éviter de passer dans du particulier, que d'ailleurs, on les remercie bien, tous les particuliers qui nous ont laissé passer gracieusement. Et pour éviter que tous les particuliers, chaque année, il y a des gens qui viennent s'entraîner, voient des gens toute l'année sur leur terrain, on va éviter de passer sous le particulier, donc on va aller tout droit, et on va aller directement à la Croix de Brige, tout droit. Donc de la Croix de Brige, après on regagnera Tueil, Parc-en-Beglaize, et cette année donc il y aura une deuxième partie de parcours, voilà, de l'autre côté de la vallée de l'Ardèche, avec l'arrivée donc par le fameux pont du Diable. Voilà, et on va traverser la Sainte-Deux sous un petit pont, il faudra se mettre un peu à quatre pattes. Bon, mais cette année ça promet, voilà, alors. Voilà, impeccable. En plus il y aura 2 km de plus quand même, hein. Ça fera 22 km. Ben, merci pour ce super, voilà, parcours Jean-Luc. Allez, à l'année prochaine alors. Ça marche. Allez, à plus. Alors cette année, vous l'aurez compris, tout droit après le Grand Chêne, et on va éviter donc de descendre sur le hameau de Gaucheran comme les éditions précédentes. Donc c'est parti, découverte de la version 2015 du parcours. Donc direction la Croix de Brige. Donc vous allez voir, première partie relativement roulante. On va vous nettoyer un petit peu le parcours pour le jour J. Donc là ça envoie un petit peu du lourd. Puis après vous allez vous retrouver sur Rancaillou, où là il y a pas mal de pierres, donc un petit peu plus technique, avant de rentrer dans les châtaigniers pour rejoindre donc la fameuse Croix de Brige. Allez, on se retrouve un petit peu plus bas.
Et allez, des petits S pour relancer cette année. Profitez-en, lâchez les watts et les chevaux. Et petit passage dans les châtaigniers. Oula, on va passer dans les fougères pour rejoindre les sablières et la fameuse croix de Brige. Allez, direction les sablières, les amis. Et là, on va passer donc sur une section de voie romaine, des pavés. Donc attention aux appuis et c'est parti. Et après le petit replat des sablières, pensez à bien tourner à droite, direction les châtaigniers. Puisque cette année, ce sera le 10 km qui partira sur la gauche. Et oui, le 10 lui aussi changera. Donc cette version 2015, trois parcours dont deux nouveautés. Donc vous allez vraiment vous régaler les amis. Et attention après le châtaignier. Petite portion technique les amis. Donc méfiez-vous au niveau des appuis. C'est une section très roulante sous les châtaigniers. Mais vous avez deux petites marches à franchir coup sur coup. Donc méfiez-vous. Allez, on remet les chevaux. Bon alors les gars, Jean-Luc nous a préparé une version 2015 très sympathique. Vous en pensez quoi vous les amis? Ah ben, moi qui ai connu l'ancien parcours, c'est bien plus sympa. La descente est plus roulante, elle est plus accessible. Mais en même temps, c'est une vraie descente, on peut bien accélérer. Et c'est là qu'on se dit, on va pas perdre la course à la descente, comme on dit. Donc, il y aura encore plus de monotraces. Hein. Oui. Il y aura moins de pistes. Hein. Et pourtant, ça a l'air beaucoup plus roulant. Ah oui. Bah écoute, moi, je connais pas le parcours, je viens de le découvrir là maintenant. Et c'est vrai que... Il y a de très bonnes parties roulantes, les montées se font régulières, hein. Pas de difficultés en soi on va dire. Par contre, ouais, de très bonnes descentes, bien propres. Par contre, le parcours, eh bien, il va faire 2 km de plus et au lieu du 20, ça va faire 22 km 22, avec 300 mètres de dénivelé en plus, à peu près positif. Je pense qu'il y en a un peu pour tous les goûts, hein. Voilà, les gens qui veut se faire plaisir. Ouais. Je pense que les gens se sentiront plus... coureurs, quoi. Il y avait un peu d'appréhension dans l'ancien parcours. Ouais. On n'était pas trop à l'aise, du coup là, on se sent vraiment coureur. Il est technique, mais accessible. Accessible quoi. À tous, voilà, ça c'est très important. Pour celui qui veut se lancer sur un 22 km, c'est vrai que c'est important ça. Puis aujourd'hui on l'a fait, c'est pas débroussaillé ça, mais après des employés communaux, tout ça, ils vont bien débroussailler le parcours et je pense qu'il sera encore plus joli. Quoi. Parce qu'à la rigueur, j'aurais bien envie de faire pour 2015 le 20, moi. Je sais pas, je suis en train de me tâter là, mais. Non, c'est interdit pour toi. Pas de retour en arrière. On était en train d'en parler, tu t'es dit du coup, on va fermer. C'est interdit. Non mais très beau parcours, franchement moi depuis que je suis ici en vacances, je découvre l'Ardèche par ses sentiers, tout est vraiment magnifique et c'est vrai qu'on prend plaisir à chaque croisée de chemin, on découvre vraiment quelque chose de super. Hein. Moi franchement. On fait ça aussi pour ça, nous on fait ça aussi pour faire découvrir l'Ardèche, nos sentiers. Et puis aussi voilà, on privilégie la convivialité parce que là il va nous rester 3 km. Et après bon, une bonne pizza et. Je ressortirai encore riche en émotions de ces vacances, hors contexte de course, bien sûr. Mais franchement, ça fait plaisir de retrouver tout le monde et d'avoir participé à ces deux rocos de 2015. Et j'étais franchement honoré de pouvoir participer de cette roco avec vous ensemble. Merci à vous les gars pour vos sensations. Donc, j'espère que les coureurs vivront les mêmes sensations donc, au mois de juin l'année prochaine. Et puis donc après la Croix de Brige, cette année ça sera direction à droite pour rejoindre le hameau de Brige. Alors je vous laisse partir et puis je vous suis. Allez. C'est parti.